Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars! Bienvenue les rois et les reines! Comment travailler sa justesse? Lentement. J'ai donné la réponse directement, donc vous pouvez éteindre la vidéo. Bienvenue les rois et les reines, vous êtes sur Vocal et Gras, la chaîne dans laquelle vous allez pouvoir déployer l'artiste que vous êtes en développant votre voix et en développant votre mindset et en ouvrant votre cœur pour que votre carrière d'artiste puisse se déployer. Travailler votre justesse, je vous encourage à le faire d'abord avec une petite bouche fermée. Ensuite, avec des petits piquets. Quand on fait des piquets, il faut obligé d'être juste. Bouche fermée. Pardon, c'est majeur, je recommence. Lentement, et pour pouvoir vous assurer que vous êtes juste et que c'est pas juste en l'air comme ça, je fais un travail de justesse, vous posez votre téléphone qui enregistre à côté de vous et vous vous enregistrez, vous réécoutez, vous refaites l'exercice, vous corrigez. Ah non, là c'était un peu bas, là c'était un peu haut. Il y a des endroits dans la gamme où on a plus de difficultés à entendre que d'autres. C'est normal, tout le monde chante toujours un petit peu faux. Tout dépend de notre personnalité vocale et aussi ça dépend de l'endroit, de la fratrie dans laquelle on est né. Imaginez-vous, le petit binge, le petit dernier qui a toujours été obligé de crier pour qu'on l'entende, aura parfois plus de difficultés à entendre les graves, le truc calme. Enfin, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup les rois et les reines pour vos commentaires, vos pouces, vos likes, le fait que vous transmettiez cette vidéo à droite à gauche, que vous en parliez à tout le monde et que vous continuez à la suivre, ça m'enchante. Merci infiniment de faire partie de ma communauté. Je vous dis à très bientôt. Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars.